Le métier d'origine de CEF était la distribution électrique. Et en 40 ans, ce métier a été complété par les métiers de l'automatisme, par les métiers de l'instrumentation et aujourd'hui par les métiers de la maintenance. Nous réalisons essentiellement des chantiers avec des travaux sur mesure, donc très peu de produits standards. Petite particularité, c'est que nous sommes éco-certifiés PEFC. Nous utilisons pour les bois européens uniquement des bois qui proviennent de forêts gérées durablement. Couserans Construction investit énormément auprès de ses salariés, ce qui nous permet de conserver des savoirs. Une autorisation d'extraire les matériaux pour une durée de 20 ans. Une garantie certaine et une vision aboutie de l'avenir de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes en Chine avec une dizaine de nos salariés pour réaliser un ouvrage traditionnel. Le client en Chine ne se contente pas de copier, il vient chercher un savoir-faire en France. La politique de l'entreprise a été de déployer dans des équipes sur les réseaux humides. On bénéficie aussi de partenariats avec les centres de formation pour faire de l'insertion sociale, mais aussi de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. On travaille aussi beaucoup sur des alternatives à la pratique du bâtiment plus classique. Tout ce qui est accompagnement de l'autoconstruction et de l'autoréhabilitation, tout ce qui est autour du travail de la terre, du pisé. On fait tout le spectre de l'activité que peut réaliser la profession. Les géomètres interviennent du début à la fin d'un projet. Donc en général, quand on commence à voir les géomètres sur un terrain, c'est qu'il va se passer quelque chose. Des gros chantiers de pose de câbles HTA qui nécessitent des moyens assez conséquents en trancheuse, qui est notre spécialité, mais aussi en forage dirigé. C'est aussi une activité qui est assez forte chez nous, aussi avec de l'héliportage. Et nous sommes complètement autonomes sur notre production. Nous sommes spécialisés dans la réhabilitation de l'ancien, la rénovation du patrimoine. Nous avons la qualification des monuments historiques pour intervenir sur les bâtiments classés. Nous faisons également des bâtiments neufs. Nos techniciens de maintenance font de la formation chez nos partenaires fabricants pour qu'on soit toujours le plus performant possible en fonction des évolutions technologiques des équipements. Vendre notre compétence en éclairage pour amener davantage de conseils. On dépasse le rôle de simple installateur, on devient gestionnaire d'un parc éclairage public d'une ville où on est à la fois concepteur, gestionnaire au quotidien. Technicité en conception-construction, une capacité intéressante en infrastructure, en possibilité de réaliser des fondations spéciales. Technicité également en béton architectonique, reconnue pour ses capacités en organisation, pilotage, coordination des chantiers. On travaille beaucoup en prémur. On aimerait bien industrialiser la pratique des maçons, quoi, de façon à gagner du temps, la sérénité. Renouveler nos marchés principaux avec nos principaux clients. Ils représentent à eux 80% notre chiffre d'affaires. Notre objectif est également de s'étendre au niveau géographique. Nous avons en moyenne 10% de nos effectifs qui sont des apprenants, l'apprentissage ou BTS et licence professionnelle. C'est aussi une façon de recruter des gens qui finalement se plaisent dans notre coopérative et ils font carrière. On fait beaucoup, parce que c'est d'actualité, des réseaux pour le déploiement de la fibre sur les départements qui nous concernent. On essaye de se diversifier aussi dans la vidéosurveillance, développer nos certifications. Continuer à développer les maisons individuelles, les offres d'extension de surélévation et de rénovation d'espace intérieur. On a recruté un développeur pour faire nous-mêmes notre promotion immobilière. On est dans une démarche aussi de diversification. On travaille aussi sur toute la partie marketing, design, pour essayer de diversifier. On a investi dans beaucoup de machines, que ce soit en menuiserie ou en taille de pierre. Une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans les métiers du bâtiment. Donc c'est un statut très particulier qui permet à la fois à l'entrepreneur d'être autonome et qui lui permet aussi d'avoir un statut protecteur de salarié. Mettre à la disposition de toutes nos équipes sur le terrain les meilleurs processus possibles en termes d'anticipation, en termes de réalisation et en termes de productivité pour que globalement l'entreprise soit plus efficiente. On fait à peu près 2 emplois par an depuis 15 ans par l'apprentissage qu'on concrétise. Suite à la diversification, suite au marché, suite à la demande, on est pluriactivité plutôt que monométier. La responsabilisation, la mise en autonomie, l'implication des salariés. Pour ces thèmes qui nous sont chers, qui sont importants à notre développement, le status quo est vécu comme un atout tout à fait primordial pour l'entreprise.